ne crever. Aïe aïe aïe. Ne droit crever. Oh, je suis beau. Famille, bonsoir le J4, bonsoir Marseille, bonjour, bonsoir, je sais plus, c'est bientôt l'été, le J4, j'espère que vous allez bien, je serai bien présent avec mon ami Bengouze le 24 juin pour SOS Méditerranée, venez nombreux et nombreux. C'est bon, mon bébé s'est réveillé, il est en train de manger, mon cœur. Aujourd'hui, il fait beau. Ça fait trop du bien. Par contre, j'ai la voix cassée, je comprends pas pourquoi. Petit resto avec Père Patrick. Père Pat. Père Pat. Et il y a Grand-père Patrick. Grand-père Patrick, c'est vrai. Maintenant, c'est grand-père Patrick et grand-mère Mado. Alors, dites-moi. Les amis, je voulais vous dire que ce soir, avec Paga, on va tourner la vidéo YouTube que je voulais faire. Je voulais faire en gros une foire aux questions sur l'après-accouchement. Comment ça se passe dans notre couple, dans notre relation. Vous raconter comment on a vécu un petit peu tout ce changement, etc. Et du coup, je voulais que vous me posiez des questions un petit peu sur notre relation, sur l'accouchement. Comment ça s'est passé, enfin voilà, posez-moi les questions que vous voulez, je vais faire le tri des questions et comme ça on vous y répondra dans une vidéo YouTube qu'on sortira d'ici la fin du mois. Salut les gars. Salut, c'est chaud, je t'écoute. Ça fait 4 fois qu'elle me demande, ça fait 3 fois que je refuse, sur le rein t'es mode 4-4-2, ça bouge pas, j'ai ça l'équipe. Un match épique. Personne sur le banc que des titulaires sur la liste, oh là là, il brouille les pistes. Même si tu t'es... Du coup, je voulais vous raconter depuis ce matin un petit peu comment ça se passe ces derniers jours. C'est vrai qu'on a eu quelques jours de grosses coliques. C'est-à-dire que Georgia, elle pleurait du matin au soir non-stop parce qu'elle avait mal au ventre. Et on ne comprenait pas pourquoi c'était arrivé aussi subitement, aussi intensément du jour au lendemain. En sachant que depuis que Georgia est née, elle n'a pas... C'est pas un bébé qui pleure plus que ça, etc. Et là, on se disait vraiment, c'est quand même beaucoup et tout. On a commencé à s'imaginer que ça pouvait être un RGO, des reflux internes, œsophagiens. On s'est dit aussi qu'elle pouvait faire une intolérance au lactose. On a imaginé vraiment plein de choses. Et pour vous expliquer un petit peu, dans la prochaine story, je vais vous dire d'où venait le problème. C'était pas, finalement, c'était rien du tout si grave. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc pour tous ceux qui savent, le fait que j'allaite Georgia, en fait Georgia ne prend pas de tétine. J'ai essayé plusieurs marques de tétine, elle en veut pas. Donc vu que je sais que le succion c'est quelque chose qui les soulage et qui leur fait du bien, qui les apaise, etc. Quand elle avait mal, en fait la grosse erreur que j'ai fait, c'est de la mettre au sein tout le temps. Et du coup, le fait qu'elle tétait toute la journée du matin au soir, son système digestif, il travaillait tout le temps. Et en fait, moi, c'est un peu ma faute. A priori, j'étais pas au courant et j'imaginais pas qu'en fait, ça pouvait lui procurer autant de mal. En fait, je la mettais tellement au sein pour... En fait, vu qu'elle pleurait, je pensais que la mettre au sein, ça allait la soulager. Alors qu'en fait, ça ne faisait qu'empirer les choses parce que du coup, elle continuait à manger en ayant mal et du coup son système digestif travaillait 10 fois plus que la norme. Ce qui fait qu'au niveau des repas aussi, elle n'était pas du tout réglée puisque elle mangeait tout le temps. Donc elle ne pouvait pas manger tous les 2, tous les 3 heures. Elle mangeait en fait dès qu'elle pleurait. Donc pratiquement toute la journée, elle avait au moins, même si c'était juste pour prendre la succion du téton, forcément il y avait du lait. Donc ce qui fait qu'elle régurgitait parce qu'elle avait du trop-plein, qu'elle avait mal au ventre. Bref, ça a été vraiment en fait une erreur de ma part. Donc depuis qu'on a compris ça, en fait, j'ai commencé à lui donner le sein tous les 3 heures. Et donc ça fait maintenant 3 jours que je lui donne le sein tous les 3 heures. Au minimum, je lui donne toutes les 2 heures si vraiment elle réclame. Et en fait, elle pleure uniquement un petit peu au moment de la digestion, donc après la tétée. Et c'est pas, c'est pas des gros pleurs, c'est vraiment, elle est un peu gênée du ventre.
Et elle a une meilleure digestion, elle ne pleure plus, elle fait des super nuits. Et franchement, bah, donc là, on revient un petit peu à nos débuts de quand tout se passait très bien. En fait, je me dis qu'elle n'a pas tant vraiment de colis que ça, finalement, puisque depuis que je l'ai réglée et que j'arrête de la faire manger ou de la mettre au sein toute la journée, bah, en fait, son système digestif, il le vit beaucoup mieux. Là, vous voyez, elle a un petit peu gêné sur moi parce qu'elle vient juste de manger. Donc, du coup, elle a légèrement mal au ventre, un petit peu quand même. Mais c'est plus comme... C'est plus comme avant où elle pleurait toute la journée du matin au soir. Donc on est vraiment très soulagés et très contents d'avoir pu trouver d'où venait le problème. Même si je m'en veux un peu. Bah voilà, je m'en veux un petit peu, même si j'étais pas au courant et je savais pas que c'était. Bah, que je faisais mal les choses. En fait, clairement, j'ai mal géré la situation. Et le principal, c'est que maintenant tout soit rentré dans l'ordre et qu'on ait pu trouver d'où venait le problème. Ma fille à sa maman. Trop belle, vous êtes. Avec bébé, on essaie de lui donner cette petite sucette qui ressemble à un petit doigt pour essayer de la calmer, mais elle fait que pleurer. Il est beau. Crampe au ventre. Ça fait quelques jours, c'est comme ça. Là, on lui a tout donné. On a même préparé une formule magique à la pharmacie. Elle a quand même mal au ventre. Alors régulièrement, la Fafa, je vous fais part un petit peu, bon, surtout notamment pour les filles, de mes bons plans concernant Cellule Blue. Parce que régulièrement, j'ai des super méga codes promo à vous passer. Alors notamment, premièrement, je voulais dire, il y a 60 jusqu'à moins 60% sur le site. Mais deuxièmement, grâce toujours à mon code promo, vous avez, sur les packs que vous allez prendre, vous avez moins 10% qui se rajoutent en supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie, vous le savez, ce qui concerne un petit peu tout ce qui est minceur. Cellulite, vergiture et plein d'autres produits que vous pouvez retrouver sur le site Cellule Blue. J'ai massé toute la grossesse avec l'huile de vergiture bébé. Elle n'a pas une vergiture. Bon, en vrai, elle continue aussi à en mettre parce qu'après l'accouchement, ça peut encore plus lâcher le ventre. Petite huile, voilà, qui lui a permis de ne pas avoir de vergiture. J'espère que vous allez bien. Alors, regardez, je suis sur le site. Et je voulais vous parler justement et d'en profiter de ces nouveaux boosters innovants, des boosters ultra concentrés en actifs. Voilà, c'est pour maximiser les résultats un maximum pour un effet immédiat, pour que ça aille plus vite, pour avoir des résultats plus rapides à l'approche de l'été. Je vous explique le programme de Giuseppa. À partir de 17h, elle me met dîner presque parfait. Ensuite, elle me met maman est célèbre. Ensuite, elle me fait basculer sur la villa des cœurs brisés. Ensuite, elle me fait basculer sur Love Island. C'est ça ou j'en ai oublié une? Il n'y en a que 4? C'est sûr? On n'était pas 5? Ça va. Ça va, trop belle elle est. Putain, la famille, ça passe vite. Elle n'a pas encore un mois, elle a déjà doublé de volume. C'est plus des mains qu'elle a. Tu es plus grand que moi, bébé.
Déjà, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le site, quand vous arrivez, ils vont vous demander donc combien de personnes, pour combien de personnes vous voulez des repas. Combien de repas par semaine ? Donc, soit 3 repas, 4 repas, 5 repas. Donc, c'est des repas qui sont presque déjà tout prêts. Vous avez soit des recettes classiques, familiales, végétariennes. Moi, j'ai mis classique et rapide. Et vous avez vraiment plein de recettes qui sont super bonnes et très simples à cuisiner. En plus de ça, si vous êtes pas ouf en cuisine, bah, ce qui est bien, c'est que vous allez recevoir une fiche recette déjà toute prête avec tous les ingrédients à mettre, tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment de suivre la recette et mettre les ingrédients dans la casserole, en fait. Il n'y a vraiment que à cuisiner, pas à réfléchir. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, c'est vrai que depuis que j'ai accouché, le temps est vraiment compté avec la petite. C'est très compliqué de pouvoir cuisiner des super repas comme on avait l'habitude de le faire avant. Même si, évidemment, on va reprendre... Ça va revenir. Sauf que là, pour l'instant, c'est pas une priorité. Donc, on essaye de bien manger quand même et de faire des choses assez rapides. Et c'est pour ça que les recettes HelloFresh, pour nous, en tout cas, c'est vraiment hyper cool. Et y compris pour les personnes qui ne savent pas trop cuisiner, qui ne savent pas trop leur truc. Et ben en fait, comme je vous l'ai dit, vous avez des fiches recettes qui sont toutes préparées, toutes détaillées. Vous avez juste à regarder la recette, suivre la recette et vous recevez tous vos ingrédients au frais à la maison. Donc franchement, ça, c'est hyper cool. Donc même les courses et tout, genre, vous recevez la gousse d'ail. Vous recevez tout dans le détail. Donc, c'est vraiment trop bien. Et c'est vous qui choisissez le style de recette que vous voulez. Bref, je vous laisse le code promo, le lien, juste ici et le Insta.